Le matin suivant. わしが杖を奪われたばかりに長い間魔物に国を支配されてしまった。このサマンゴサを救ってくれたこと改めて礼を言わせてほしい。そなたが旅を続ける中で何か役に立つ時が来るかもしれぬ。その変化の杖はお主が持って行くがよい。 Le roi a dit que cette récompense vous revenait. Le royaume tout entier vous souhaite un bon voyage. Merci. Du coup, j'ai toutes les orbes. Ouais. Alors, ça dit quoi sur la carte? Ça dit quand même qu'il me reste un truc en haut à droite, je sais pas ce que c'était. Pour moi, il me manquait une orbe, 3, 4, et censé en avoir 5. Et peut-être que la dernière, ouais, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut trouver bah, tout ce qu'elle a dit d'autre là, le bateau pirate et toutes ces bêtises. Ouais, on se... Le vieil homme, on savait où il était grâce aux souvenirs. C'était quoi déjà? C'est lui, non? Non. Ah, c'est ça. Sur les plaines désolées de la toundra. Bah, c'est là-bas qu'on va aller. Allons-y directement. Tac. On va avoir un TP pas très loin. Celui-là. J'ai très envie de reroll mes personnages, mais ça se passe pas trop mal. Et j'ai pas envie de redémarrer du niveau 1 tout de suite. Ou alors faudrait que j'aille les faire monter là où on a trouvé les glions de métal. Alors, il y a un monstre ici.
C'est immense comme zone. Qu'est-ce que c'est que ça? Le premier. Et c'était le seul dans la zone. On va voir d'abord en bas. Ça j'ai déjà ou pas? C'était le dernier. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Purée, j'en ai un paquet des objets. Je sais pas lesquels je peux vendre entre guillemets. Faut que j'en garde pour roll. Ouais. Ça a l'air assez balèze quand même.
Elle était temps, hein, quand même. Hein. J'en garde quelques-uns au cas où. Mais au pire, je rachèterai quoi. Ça ira comme ça. Eh bien, ça alors, si ce n'est pas le morphobâton, l'objet que je cherche depuis toutes ces années, vous devez me le donner. Je vous offrirai... voyons voir. Qu'est-ce que vous diriez de ce remarquable vieil os de marin que j'ai là? Ça vous irait? Eh bien, ça... je veux dire, parfait. Tenez, et un os de marin à peine utilisé. Oh, merci. Merci infiniment. Vous avez rendu un vieil homme heureux. Mon morpho bâton. Trouver le navire errant. Mais il va être peut-être sur la carte. Ouais, on le voit. Je sais pas si vous le voyez côté gauche, à l'ouest. Ça clignote. Par contre, il y a un autre truc peut-être avant. Carte du monde. Soit on fait les choses dans l'ordre que ça nous est donné. On se casse pas la tête et on va à droite là. Mais en fait, je pense que la dernière orbe à droite, à l'est. On pourrait pas l'obtenir parce que justement, il faut les autres objets pour ça. Enfin, je présume. Et à mon avis, un des objets que je l'ai trouvé... ben, par hasard, quoi. Hein. C'était quoi? La flûte à écho? Ah, il fallait l'os de marin pour trouver le bateau fantôme. Peut-être pas, peut-être qu'on pouvait tomber dessus par hasard, mais... Peut-être que celui-ci nous permet de le voir sur la carte. Je ne sais pas. Je pense que c'était absolument nécessaire. J'ai décidé de construire une ville ici. Je suis sûr qu'elle ferait la joie et la richesse de beaucoup de monde. Mais une ville ne peut pas fonctionner sans commerce, et pour cela j'ai besoin d'un marchand. L'expérience m'importe peu. N'importe quel marchand fera l'affaire.
Je me demande si la fortune m'en enverra un bientôt. Est-ce que ça veut dire que je dois venir avec un marchand? C'est super relou si c'est ça. J'espère que c'est pas moi qui dois passer en marchand. Un de mes bonhommes. Ça m'étonnerait quand même. Ça dit quoi sur la carte? Ça dit rien du tout. Ça dit qu'on va aller ici. J'ai pas plus près. Non, en fait. Non, non, non. C'est Portugal. Non, je suis full, c'est pas la peine. Bon, apparemment, il bouge pas le navire en fait. Il faut que je pense à aller à Ibis après. Le bateau fantôme. J'ai toujours adoré ce genre d'endroit dans les RPG. C'est très rare qu'il n'y en ait pas, hein. C'est comme la prison, tu finis toujours par y faire un tour. Hein. Ça c'est obligatoire. Ok. Il y a un monstre caché quelque part, hein. C'est celui-là. I guess. Les égouts aussi, c'est vrai. Ah, il y en a un autre qui pourrait se laisser approcher. La prison dans la vraie vie? Oh non, ça j'évite quand même. C'est pas ouf. Enfin, ça a pas l'air ouf. Je suis plus avec toi qu'avec ma femme. Ça craint, mec. Moi jamais casier vierge. Je suis un garçon sage.
Ah, c'est pas ouf, mais je m'en doutais un peu. Faut de la foudre. J'ai 4 orbes, Jesse. Ils en ont des points de vie, ceux-là. Hein. En fait, c'était le bon spot pour monter d'autres... d'autres classes, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai oublié de faire le plein. Ah non, c'est vrai. On avait acheté 200. Le vent a beau souffler et la pluie se déchaîner, ils ne couleront jamais ce vieux Rafio. C'est le gouvernail du bateau, il bouge de lui-même, comme guidé par une main spectrale. Mmh. Tiens. On n'a jamais trop de cadavres sur un bateau fantôme. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te plairait d'être le prochain? Ah, comme ça, sans transition. Qu'est-ce que c'est? Quitte au double. Sans se soucier de la défense. Ça, c'est bien ça. Du coup, on le fait pas. Mais il était nul. Chapelet d'argent. Mais attends, il y a une arnaque là. J'ai fait le sort. Et ça réapparaît. Je me suis gouré de sort, je pense, tout à l'heure. Donc comment il peut y avoir un objet ici? Il est au-dessus? On dirait, ouais. C'est là. Ça m'embête de pas avoir le sort de feu suivant là. Bon, du coup, je manque quasiment jamais de PM, mais bon. Quand même. Hein? Ah, ouf. Vous n'êtes pas l'un des leurs. Du moins, vous n'en avez pas l'air. Vous êtes aussi à la recherche d'un trésor? Je suis venu ici en espérant trouver des objets de valeur, mais tout ce que j'ai vu pour l'instant, ce sont des cadavres et des fantômes. Je suis à bout de nerfs. Bonsoir, Kendoza, comment vas-tu? Trop bien, caleçon. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bonsoir, Sorobettina. Ouais, ça va super, merci. C'est pour ça que j'ai pas reroll, j'ai pas envie de rater un bon spell. Ouais, mais tu vas devoir attendre beaucoup, Oudi. Hein. Je pense que... ils sont faciles niveau 32, 30... ouais, 32, je pense. Bon, c'est le même passage, semblerait-il. Non! Je voulais pas faire ça. Ouais, j'aime beaucoup ce Dragon Quest. Bon, pas autant que le 5, hein.
Ramer, c'est un labeur pour les esclaves et les crapules, Scorbut. À ton avis, je suis lequel des deux, camarade? Ha ha! On dit Scorbut ou Scorbut? Pas de réponse, ce n'est qu'un cadavre. Je pense qu'on dit Scorbut. Ah, maudite soit cette rame infernale, je ne sens plus mes bras. Ah, la noyade, c'est la pire des morts, camarade. Merde, je ne veux pas mourir. Ayez pitié de nous, de pauvres esclaves. Oh, Is! Oh, Is! Neuf trésors! Ça rigole zéro. Ah, c'est l'autre. Super. Robert. Je crois que c'est mon deuxième zombie. Ah, il est pas dégueu, hein. Si j'avais su qu'il nous ferait ramer, même après la mort, je n'aurais jamais signé pour ça. T'as bien raison. Fais-toi syndiquer, mon gars. Ah ah, une tempête s'annonce, camarade. Le vent, les vagues. Ah ah. Rien ne se passe. Puis Antoine, ouais. Ah ouais, il était énervé, lui, hein. Olivia, mon amour, nous sombrons. Il semble que toi et moi soyons condamnés à ne plus jamais nous revoir dans ce monde. Mais je ne t'oublierai jamais. Mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Je prie pour que le reste de tes jours soit au moins teinté de bonheur. Adieu, ma bien-aimée. Il est donc là, Eric. Ah, j'ai refroidi un camarade, et j'en paye ici le prix à ramer comme un damné. Voilà la juste récompense de mes péchés. Mais le jeune Eric là-bas n'a jamais ne serait-ce que toussé dans une église. On lui a fait porter le chapeau, le pauvre bougre. Ah ça, c'est un crime. Ils sont tous là, les coffres. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des caniboîtes. Voilà, les imitateurs. Ils sont bien relous, ceux-là, en plus. Oh non, c'est vrai qu'ils prennent pas le feu, ceux-là. Putain, ils m'ont éclaté un Bionix. Mais je crois qu'on peut les acheter quelque part. Juste, je sais plus où. Tellement chiant, ça. Il fallait que je rate. T'as pris 3 morts sur ce mob avec super kill. Ah, pas ouf, hein. T'as pas de chance. Mais juste des morts, pas des game over. Ouais, j'en ai eu beaucoup dans le... C'est quoi, c'est un volcan? Non, pas tout à fait. Là où il y avait... Comment s'appelle-t-elle? L'hydre. Orochi. Ça m'a éclaté un nombre incalculable de Bionix. Pour te dire, j'en avais à peu près 17, je crois. T'as vu ce qu'il me reste?
mini médaille. Est-ce qu'il y a un autre monstre? Non. Il y en avait deux. C'est bon. Et encore un trésor, le voilà. Le médaillon des amoureux. Attends, je suis venu juste pour ça? Je m'attendais à tellement autre chose en fait que je suis déçu. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a un truc à faire ici. Ok. Bon, on va aller reroll maintenant. Parce que voilà quoi. J'avais dit que j'allais faire un tour à Ibiza avant. En fait, j'ai longtemps cherché un monstre ici, mais complètement absurde, je sais pourquoi je le trouvais pas. En fait, je pars toujours du principe qu'en changeant de zone, je vais sortir de la ville. Mais c'est pas valable partout, évidemment. Oh la galère, faut faire tout le tour. Tout ça pour une herbe. Il n'y a même pas de sortie. C'est nul. Ou je l'ai zappé. Mais je suis même pas venu ici du tout en fait. Je vois que tout est fermé. Mais en plus, ça me dit même rien ici, en fait. Ah, c'est par le sous-sol. Autant les autres zones avec un château, un palais, tout ça, c'était assez évident, puisqu'on le voyait. Mais celui-ci, à part sur la carte du monde, on le voit pas. Problème, hein. Ah, c'était un chat.
Bon, j'ai quand même laissé 8 coffres. Je viens de voir la liste des nominés au GOTY, FF7 Rebirth et Metaphor, ils sont. Au GOTY carrément. Dans la catégorie RPG, j'aurais dit ouais, logique. Par contre, au GOTY, ça m'étonne un peu quand même. Ouais, est-ce qu'ils ont mis le DLC d'Elden Ring? C'est sûr qu'il y est. Évidemment qu'il y est. Balatro. C'est quoi ça? Plus de trésor ici, on monte. Les bêtas étaient... Enfin, pouvaient concourir? Un jeu de poker? Non, c'est une blague. Poker roguelite. Ah, d'accord. Mais il y a vraiment du poker poker ou... Le pire, c'est que ça me dit quelque chose, Balatro. J'ai dû voir un truc vite fait. Ah, le voilà. Il sera le jeu indé de l'année. D'accord. Y a plus de laser, c'est fini. Maintenant, c'est Dragon Quest. Là. Va te coucher. Elle râle en plus. Mais non, pas ça. Il y a encore un trésor à ce niveau. Bon, et très honnêtement, vous pensez que ça va être quoi le GOTY? Romancing Saga 2? Arrête de troller, toi, là! L'autre, il en remet une couche. Visions of Mana. Faxanado, carrément. Ah ouais. Je ne sais quelles sont vos intentions ici, mais je vous demanderai cordialement de bien vouloir partir. Seul le ciel sait quelles viles rumeurs naîtront si l'on vous aperçoit ici. Je suis ravi que vous m'ayez rendu visite si tard. Nombreux sont les prétendants qui viennent au palais sous des motifs fallacieux. Je ne puis vous accorder une audience au risque de les encourager par ma gentillesse. Hélas, je crains de ne pouvoir faire grand-chose pour vous, mais permettez-moi au moins de vous offrir un petit présent. Examinez le sol derrière ma tête de lit, et vous le trouverez. Le vrai gagnant, ce sera Sandland. Il y a quelqu'un qui a remis le nez dans Sandland? Restaure les points de vie à son porteur quand il marche. Bon, c'est pas dégueu, mais... J'en aurais peu d'intérêt, je pense.
Parce qu'en vrai, je suis sûr que c'est pas un jeu si mauvais que ça, Sunderland. Le problème, c'est que la démo le dessert complètement. Alors, il n'y en a plus. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. C'est merveilleux. Téléportation demandée. L'abbaye. Astrobot, tu penses au Drachmyr? Je l'ai pas fait celui-là. Par contre, j'avais fait. Je sais plus comment il s'appelle, hein, le jeu qui était fourni avec la PS5. Et j'avoue que c'est assez bluffant déjà. Hein. Oui, c'était là. Les Roms, ouais. Le DLC de Tales of Arise, c'est une bouse, mon gars. Je regrette de l'avoir pris. Et vous me connaissez, hein, il n'y a pas beaucoup de jeux où vraiment j'ai du regret, quoi. Alors, qui va faire un nouveau départ dans sa vie? Je pense que Nikolai, je vais le mettre en monstrologue, parce que j'ai envie d'en garder un, évidemment, of course. Après, il y a le guerrier, sinon, mais... Non, monstrologue. Est-ce que je fais les trois? Marcella était guerrière. On pourrait la faire passer artiste martial désormais. Ou voleuse. Comme ça, je la fais passer voleuse et Dorothée, je la mets prêtresse ou... Ou artiste martial. Mais plutôt prêtresse pour qu'elle reste un petit peu dans la magie, qu'elle retourne un peu dans la magie. Allez. On est des dingos. Ah mais attends, il conserve plus que la moitié en fait. Pourquoi j'ai trois chats là? C'est quoi ce délire? Nikolai. Attends, elle a gardé son fouet du dragon? C'est plutôt pour lui, ça. Ah oui. Attends. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur l'espace d'un instant. J'espère ça, par contre, que ça bouge pas. J'ai l'impression que non. Ah oui, mais attends, il y a une arnaque de fou là. Une arnaque de fou furieux, c'est que... Ouais. Putain, ils gardent les objets sur eux.
Nikolai. Let's go, Nikolai. C'est pour ça qu'il faut garder un petit peu de stuff. Ceinture du titan. C'est mieux que le brassard de choc, ça, non? Non. La lance 176, 156. Bouh! Bon, on va lui laisser les deux armes. Clique sur sac. Attends quoi? J'ai pas vu. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ok, merci. Le saurai pour les prochains. Téléportation demandée. Donc, on va pas se rendre tout de suite au prochain objectif. Parce que là, ils vont se faire ouvrir en deux, je pense. Et on va faire 2-3 combats rapidement. Je crois que c'est là, hein. Après, ils peuvent quand même se faire ouvrir en deux. Hein. Putain, mais j'ai trois chats. Non, deux chats, c'est bon. Sauvé. Tu parles. Ouais, c'est bien ici. Oui, moi aussi, ou oui, moi non plus? Non, moi non plus. Si, moi aussi. Si, maman, si. Je sens que je vais en ken plein, là. Woody, il joue à un jeu dans le jeu, il dit une phrase, on doit deviner sa signification. C'est pas mal ça. Oui, tu peux accélérer les combats avec le musc. Mais ça se déclenche tellement souvent que... Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? C'est pour reposer mes mains alors. De toute façon, là, j'en fais encore un set de gluants et je me tire. Hein. Ça suffit déjà, je pense. Au pire, le donjon, enfin, le prochain donjon va me up, quoi. Attends, comment ça se fait que Tox il a pris si cher là? C'est quoi ce délire là? On verra bien comment ça se passera.
15, c'est déjà bien. Alors, Cap d'Olivia, pourquoi? Est-ce que ce serait pas pour m'envoyer à l'est en fait?